Je suis aussi très émue de présenter ce film ce soir. Je remercie très chaleureusement la Semaine de la Critique, Jean-Christophe, qui fut mon professeur de théâtre il y a fort longtemps. Je remercie Marc très profondément de m'avoir offert ce rôle dans ce film que j'aime beaucoup, beaucoup. Et Caroline, et tout le monde. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir. Oui, moi aussi, je suis très très heureuse d'être ici. Alors, c'est vrai que généralement quand on monte en scène, sur scène pour présenter un film, c'est genre rarement pour en dire du mal, pour dire qu'on a détesté le metteur en scène, détesté la productrice, détesté les acteurs. Mais sur ce film-là, croyez-moi, c'est particulièrement vrai dans cette terre, un bonheur de tous les instants. Je crois qu'on est vraiment, enfin c'est palpable, et j'espère que ça sera tout autant pendant la projection. Très heureux de tourner ce film, de le présenter ici ce soir à la Semaine de la Critique. Voilà, je remercie aussi Jean-Christophe Bergeon d'avoir effectivement sélectionné le film, de l'avoir invité ici, puis de faire régner un esprit particulièrement convivial et chaleureux tout au long de cette Semaine de la Critique, qui, comme vous savez tous ici, fait honneur, donne une place privilégiée au premier et au deuxième film. Et voilà, c'est souvent des aventures un peu particulières, un peu où on a l'impression de participer à un film, mais c'est particulier, un premier film. Un deuxième aussi, parce une fois qu'on en a fait un bon, il faut prouver qu'on est capable d'en faire un deuxième bon. Et c'est ça l'esprit de la Semaine de la Critique. C'est ça aussi l'esprit de Cannes. Moi, je suis vraiment très heureuse d'être ici, de cette manière-là, ce soir, après avoir été dans des circonstances très très diverses à Cannes. Mais je crois que c'est vraiment la beauté de Cannes, cette diversité. Et cette possibilité de voir des films très différents les uns des autres, dans des circonstances très différentes. Voilà, merci à tout le monde, merci à vous tous, et merci encore une fois à Marc Fitoussi, le maître d'œuvre de ce film. Voilà, c'est un peu de son âme qui fait passer dans le film, je crois. Une bonne soirée.